Ensemble, programme 6. Bonjour, messieurs. Bonjour, mesdames. Bonjour, mesdemoiselles. Voici Ensemble, programme numéro 6. This week, we are going to say un peu de révision. That's because the whole program is going to be given over to revising what we've done so far. And if you've got the book, you'll see that chapter 6 is devoted to a summary of all the language covered so far. So, what should you be able to say in French by now? Well, you should say who someone is and what something is. In other words, identify people and things. You should be able to say a few things about yourself, your hometown, nationality, and so on. You should be able to ask if there is a bank or a chemist nearby, and ask where they are. And you should be able to ask for things in shops and cafes, and give some fairly precise definitions of what you want. Want to know if you can do all that? Well, listen and do the exercises we've prepared. First of all, identifying people. Remember how to ask who someone is? Who's that? Qui c'est? Or qui est-ce? Or c'est qui? The answer is c'est with a name. C'est Brigitte Bardot. C'est Maurice Chevalier. Or c'est with a profession. C'est un acteur. C'est un chanteur. Now, what something is? What's that? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, Bordeaux? C'est une ville. Qu'est-ce que c'est, le camembert? C'est un fromage. Listen to a recording we made with Annick Magnier showing photos of famous personalities to a young girl in Dijon. Voilà une photo. Qui c'est? C'est Brigitte Bardot. Mmh. Et là, c'est qui? C'est Charlie Chaplin. Qui c'est Charlie Chaplin? C'est un acteur comique de cinéma. Et là, qui c'est? C'est Pablo Picasso. C'est un peintre français, espagnol. Et là, c'est qui? C'est la princesse Grace Kelly de Monaco. Et là, c'est qui? Ah, je ne sais pas. C'est un couturier. Oui. C'est Louis Ferraud. Non, mais c'est un couturier. Son prénom est Pierre. Pierre Cardin. Et là, c'est qui? Valérie Giscard d'Estaing. Et là, qui c'est? Je ne sais pas. C'est un Français. Son prénom est Charles. Je ne sais pas du tout. Qui c'est? C'est De Gaulle. Ah oh. Oui, on est. Merci. See if you can answer a few questions along those lines. All we want is a simple definition, like these two. Qu'est-ce que c'est, le champagne? C'est un vin. Qui est-ce, Alain Delon? C'est un acteur. If you don't know, say so. Now you. Qui est-ce, Simone Signoret? C'est une actrice. Qu'est-ce que c'est le gruyère? C'est un fromage. Qui est-ce, Charles Aznavour? C'est un chanteur. This time, tell us more by adding the nationality. Qui est Jean-Paul Belmondo? C'est un acteur français. Qu'est-ce que c'est le Beaujolais? C'est un vin français.
est-ce, Julie Christie? C'est une actrice anglaise. Now, let's run over something else from the last few weeks. Suppose you're looking for the theatre. The question you'd ask is, où est le théâtre? That's the simple question. But you'd better be polite and say something first when you stop people. What would you say to a man? Pardon, monsieur. And to a young girl? Pardon, mademoiselle. And to a motherly looking woman? Pardon, madame. Now string all that together and ask a man, politely, where the theatre is, please. Pardon, monsieur, où est le théâtre, s'il vous plaît? Le théâtre, il est Place Molière. Can you ask if it's far? C'est loin? Non, c'est tout près, à 5 minutes à pied. Say thank you and goodbye. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. Well, here is a recording from program 3, when Jean Maisonave actually did stop a woman in the streets of Dijon and asked his way to the department stores, les grands magasins. Pardon, madame. Où sont les grands magasins, s'il vous plaît? Les grands magasins sont rue de la Liberté. C'est loin d'ici? Non, non, c'est au centre-ville, 2 minutes à pied. Merci bien, madame. Now, just one more piece of revision and practice combined. Do you remember how you say you'd like something in a shop or in a café? Je voudrais. Je voudrais. To say you'd like some, you say de là, du or des. La confiture, jam. Je voudrais de la confiture. I'd like some jam. Le beurre, butter. Je voudrais du beurre. And les croissants, croissants. Je voudrais des croissants. Now, you order breakfast in a hotel. I'll be the waitress and Eve would tell you what to say. Bonjour, qu'est-ce que vous prenez? Say a breakfast, please. Un petit déjeuner, s'il vous plaît. Café, thé, chocolat. You'd like some chocolate, please. Je voudrais du chocolat, s'il vous plaît. Petit, grand, moyen. A large chocolate, please. Un grand chocolat, s'il vous plaît. Et avec ça? You'd like some croissant, please. Je voudrais des croissants, s'il vous plaît.
C'est tout? No. You'd like some butter, please. Non, je voudrais du beurre, s'il vous plaît. Bien, merci. Say thanks. Merci. Now listen to an extract from program 4, when Annick Magnier was ordering breakfast in her hotel in Dijon. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Que désirez-vous? Un petit déjeuner, s'il vous plaît. Café, thé, chocolat? Un café, s'il vous plaît. Complet? Oui. Vous avez des croissants? Oui, madame. Alors, des croissants, du pain, du beurre, et puis un petit peu de confiture, s'il vous plaît. Oui, madame. Café noir, café au lait? Un café au lait, s'il vous plaît. Oui, madame. Merci. That recording was made in a hotel. But if you are in a shop, there are one or two other things to remember. If the shopkeeper is suggesting a certain quantity would be right for you, she might say, comme ça, like that, comme ça. If it is right, you reply, oui, comme ça. If you want to check up on the price, you say, c'est combien, c'est combien, or ça fait combien, ça fait combien. That's all the revision for the moment, because we are now going to listen to this week's dialogues. You'll find the first text on page 64 of the book. We recorded Annick buying some fruit at the greengrocer's. That sounds simple enough, but think what it involves. She asks for advice, she says how much fruit she wants and what sort, and she finds out what it costs. You should be able to follow most of it, even first time around. Écoutez. Bonjour madame. Bonjour madame. Vous désirez madame? Pour faire une bonne salade de fruits, qu'est-ce que vous avez s'il vous plaît? J'ai des oranges, des pommes, des pois, pamplemousse et bananes. Oui? Eh bien, je voudrais des oranges. Une livre d'oranges. Une livre d'oranges. Voilà madame. Et avec ça? Eh bien, des pommes s'il vous plaît. Combien madame? Une livre à peu près. Oui, comme ça. Trois pommes, madame. Quelques pois. Oui, une petite livre. Oui, comme ça. Voilà, madame. Un pamplemousse. Oui, s'il vous plaît. Un seul. Comme ça. Oui, ça va. C'est tout, madame? Non, je voudrais des bananes aussi. Trois bananes, s'il vous plaît. Trois bananes mûres? Pas trop mûres. Oui, comme ça, elles sont bien. Voilà, madame. Eh bien, c'est tout? C'est tout, madame. Ça fait combien? 7,80 francs, madame. Oui? Voilà, 10 francs. Je vous remercie. 8, 50, 9 et 10. Merci, je vous madame. Remercie, madame. Au revoir, madame. Au revoir, madame, merci. Listen to it again in shorter sections. Annick began by asking for some advice. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Vous désirez, madame? Pour faire une bonne salade de fruits, qu'est-ce que vous avez, s'il vous plaît? That's a good way to make friends with shopkeepers. They know what's in season and what's good value. So, what has she got to make a nice fruit salad? Pour faire une bonne salade de fruits, qu'est-ce que vous avez, s'il vous plaît? J'ai des oranges, des pommes, des pois, pamplemousse et bananes. Qu'est-ce que vous avez? What do you have? What was there in stock? Des oranges. Oranges. Same word, different pronunciation. Des pommes. Des poires. Apples and pears. Des pommes et des poires. Des pamplemousses. Grapefruit. Des pamplemousses. Et des bananes. Alors, il y a des oranges, des pommes, des poires, des pamplemousses et des bananes. And now we come to the dramatic part. Annick starts choosing what she wants. Eh bien, je voudrais des oranges.
Une livre d'orange. Une livre d'orange. Voilà, madame. Et avec ça? Eh bien, des pommes, s'il vous plaît. Combien, madame? Une livre, à peu près. Oui, comme ça. Trois pommes, madame. Quelques pois? Oui, une petite livre. Oui, comme ça. She wanted a pound of oranges. Une livre d'oranges. Actually, that's just over a pound. About a pound of apples. Une livre de pommes à peu près. And the pears? Underweight rather than over. Une petite livre. What's left? How many grapefruit? One. Just one. Un seul. And the bananas? Three. Ripe ones? Trois bananes mûres. Not too ripe. Pas trop mûres. Pas trop mûr. Un pamplemousse? Oui, s'il vous plaît. Un seul. Comme ça? Oui, ça va. C'est tout, madame? Non, je voudrais des bananes aussi. Trois bananes, s'il vous plaît. Trois bananes mûres? Pas trop mûres. Oui, comme ça, elles sont bien. Voilà, madame. Eh bien, c'est tout? C'est tout, madame. Ça fait combien? 7 francs 80, madame. Oui. Voilà, 10 francs. Je vous remercie. 8, 50, 9 et 10. Merci, je vous remercie, madame. Au revoir, madame. Au revoir, madame, merci. Talking about orange and banane reminds us that you already know hundreds of words in French, even if you've never met them, because they're the same or almost the same as in English. For instance, le parc, le monument, la culture, médiévale, l'industrie, le commerce, and especially in sport, le golf, le tennis, le rugby, le football. All those words appear in two longer interviews recorded in Dijon based on the idea of what's available. Do you remember how to ask, is there a chemist around here? Est-ce qu'il y a une pharmacie par ici? Annick and Jean went to find out a lot more about Dijon at the town hall. They asked all sorts of questions of exactly that type. Now, we'd like you to concentrate on listening to these interviews to practice your understanding of French. We'll start with Jean. He went to see Madame Delarue, press attaché at the town hall. Madame Delarue est attachée de presse à la mairie de Dijon. If you want to ask what there is in Dijon, what do you say? Qu'est-ce qu'il y a à Dijon? What is there in Dijon for the visitor? Qu'est-ce qu'il y a à Dijon pour le visiteur? What is there in Dijon of interest for the visitor? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à Dijon pour le visiteur? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Écoutez. Madame Delarue, vous êtes attachée de presse à la mairie de Dijon. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à Dijon pour le visiteur? Dijon est une très belle ville. Il y a de nombreux monuments anciens, par exemple le palais des Ducs. Il y a aussi des églises, des rues médiévales. Dijon est une ville. Dijon est une belle ville. Dijon est une très belle ville. Il y a des monuments. Old ones. Il y a des monuments anciens. Lots of them. Numerous, if you prefer. Il y a de nombreux monuments anciens. Such as? Par exemple? Par exemple, le palais des Ducs. What else? Churches and medieval streets. Il y a aussi des églises et des rues médiévales. What else does the city have to offer? What about cultural life? Il y a une maison de la culture? Il n'y a pas de maison de la culture, mais il y a plusieurs maisons de jeunes. Et est-ce qu'il y a un théâtre? Oui, il y a un théâtre et plusieurs salles de spectacle. So, no maison de la culture, but several youth clubs.
plusieurs maisons des jeunes. There is a theater, and there are several halls that are suitable for shows. Plusieurs salles de spectacle. What about sport? Pour les sports, vous avez un parc municipal des sports, pour le rugby, le football, le handball, etc. Vous avez également à Dijon un grand lac pour la voile et la natation. Est-ce qu'il y a une piscine? Il y a 3 piscines à Dijon. En somme, Dijon est une ville intéressante. Oui, Dijon est une ville très intéressante et très agréable. What did we say about English words in sport? Le rugby, le football, le handball. Mais il y a la voile. La voile, that's sailing. And if you fall out of the boat, there is always la natation, swimming. There are swimming pools as well. Il y a 3 piscines à Dijon. Somewhere else in the town hall, Annick found Monsieur Perrault, and she asked for his view of Dijon. She asked very much the same kind of questions as Jean Maisonnave. Listen to his reply. Dijon est la capitale de la Bourgogne, donc c'est une ville gastronomique, mais c'est aussi une ville historique, avec un musée très important. Il y a une université, et surtout, c'est une des villes les plus vertes de France, avec beaucoup de jardins, de squares et de parcs. Dijon est la capitale de la Bourgogne. Burgundy has a reputation for fine cooking. C'est une région gastronomique. Donc, Dijon est une ville gastronomique. It's a historic city too, with a major museum. C'est aussi une ville historique, avec un musée très important. What else? Une université and plenty of open spaces with grass. C'est une ville verte, avec beaucoup de jardins, de squares et de parcs. Écoutez Monsieur Perrault encore une fois. Dijon est la capitale de la Bourgogne, donc c'est une ville gastronomique, mais c'est aussi une ville historique, avec un musée très important. Il y a une université, et surtout, c'est une des villes les plus vertes de France, avec beaucoup de jardins, de squares et de parcs. Now, what about industry? Qu'est-ce qu'il y a comme industrie à Dijon? This is a useful way of asking what's going. Qu'est-ce qu'il y a comme industrie à Dijon? Écoutez, Monsieur Perrault. Surtout des industries alimentaires, par exemple, la moutarde, le cassis, le pain d'épices. Mais Dijon est surtout un centre de commerce et de services. So, there isn't much heavy industry. It's basically food again. Des industries alimentaires. Such as? Par exemple, la moutarde. Par exemple, le cassis. That's black currant. In this case, black currant liqueur. Par exemple, le pain d'épices. Of all things, gingerbread. And what about cultural life and sport? Madame Delarue told us just now, but here is Monsieur Perrault's version. Il y a une maison de la culture à Dijon? Non, mais il y a beaucoup de maisons des jeunes et de la culture. Et est-ce qu'il y a beaucoup de choses à voir pour les touristes à Dijon? Ah oui, beaucoup. Des monuments, des églises, des vieux quartiers, des vieilles rues, etc. Est-ce qu'il y a beaucoup de possibilités pour le sport et les loisirs? Oui, le football, le rugby, le handball, le golf et même la natation et la voile sur le lac Kyr, à 2 kilomètres de Dijon. Now listen to Monsieur Perrault right through. Try not to look at the book too much. You should be able to understand most of it. Dijon est la capitale de la Bourgogne, donc c'est une ville gastronomique, mais c'est aussi une ville historique, avec un musée très important. Il y a une université, et surtout, c'est une des villes les plus vertes de France, avec beaucoup de jardins, de squares et de parcs. Qu'est-ce qu'il y a comme industrie à Dijon? Surtout des industries alimentaires,
par exemple la moutarde, le cassis, le pain d'épices. Mais Dijon est surtout un centre de commerce et de services. Oui, il y a une maison de la culture à Dijon. Non, mais il y a beaucoup de maisons des jeunes et de la culture. Et est-ce qu'il y a beaucoup de choses à voir pour les touristes à Dijon? Ah oui, beaucoup. Des monuments, des églises, des vieux quartiers, des vieilles rues, etc. Est-ce qu'il y a beaucoup de possibilités pour le sport et les loisirs? Oui, le football, le rugby, le handball, le golf et même la natation et la voile sur le lac Kyr, à 2 km de Dijon. And that's all for this week. Well, not quite all, because in the book we've set out a test designed so you can find out how much you remember of the language covered so far. It's called Try Your Skill. If you've forgotten anything, and no one's perfect, we've given page references in the test, so you can check up on anything you're not too sure about. Anyway, we'll be back next week. And we'll be pushing back the frontiers of human knowledge, looking at ways of saying what you'd like to do, like make a telephone call or make an appointment. So, until then, au revoir. Au revoir. Taking part in Ensemble, Programme 6, were Catherine Graham and Yves Loisel. The script was by John Ross of the University of Essex, and the producer is Alan Wilding.